Bonsoir, Madame, Monsieur. C'est toujours un plaisir pour nous informer sur Télévision Pacifique. L'hôpital Saint-Luc à Saint-Damien reprend l'activité 26 mai an après libération Dr. Benetti Augustin. C'est rançon famille Dr. Yantibay pour Bandiyo est capable de libérer. Maman Laura Erika Joraus Flores, élève 3e année dans le collège Marie-Anne, Bandiyo kidnappé 21 mai an, prié Bandiyo en grâce, libérer Timoun Lan pour le carré prendre chemin l'école. Li. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH lancé 26 mai an des journées d'information pour plusieurs policiers yo sous respect droit prisonnier yo. Action nationale contre violation droit moun, c'est non une nouveau organisation droit moun militant yo meté campé nan pays an. Divers citoyens dénoncent situation côté en pile moun continue à acheter gaz pour vendre nan galon, ça représentait un gros danger pour sécurité yo. Dans pays l'étranger, plusieurs centaines militants gauche radicale dans pays Afrique du Sud te prend la rue 25 mai dans capitale en Pretoria pour exiger la France bay talon sur continent africain. N'a pas été branché pour plus précision dans journal là. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci parce que toujours à suivre nous. L'hôpital Saint-Luc à Saint-Damien reprend l'activité le 26 mai an. Après libération Dr. Benetti Augustin, c'est rançon famille Dr. Antebay. Pour Bandiyo te libéril. Responsable Fondation Saint-Luc te profité dénoncer yon fois encore climat insécurité yon qui gen en pile mauvais conséquences sur secteur médical là particulièrement qui pas suspend victime en bas main gang ami yo. Yo di yo gen gros kè sauté tout à cause professionnel santé yo qui déjà pas en pile kap courir kite payan à cause insécurité yon. Pendant temps ça, maman Laura Erika Joroa Flores, élève 3e année fondamentale dans le collège Marie-Anne Bandiyo kidnappé 21 mai, prié Bandiyo en grâce libérer Timoun Lan pour le carré prendre chemin l'école li. C'est $600,000 kidnappé yo mandé pour libérer adolescente Lan. Gen directeur médical l'hôpital Université l'État HUH Jacques Pierre Pierre qui toujours nommé Bandiyo qui était kidnappé le 17 mai passé. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH a organisé des journées d'information 26 et 27 mai pour plusieurs policiers sous respect droit prisonnier. D'après coordonnateur au CNH là Camille Oxius, ces policiers qui n'ont accueilli qu'à fou connion à quoi des bouquets qui participé non activité ça. Avocat qui soulignait prisonniers yo gain droit même gens à tout le monde mandé autorité yo dans l'état pour prendre bon gens mesi pour permettre droit tout le monde qu'à respecter dans pays particulièrement droit monde qui n'en prison yo. En côté déclaration dans micro Vladimir Prédville avec Jose Philippe François. Donc au CNH, l'arrivée implanter projet ça, c'est par rapport à l'ensemble de problèmes nous constatons détenus au Kenya. Mais tout y a une relation qui existait entre policiers et détenus. Et détenus ont gagné droit. Donc au niveau au CNH, nous dit, ce n'est pas parce que les gens sont détenus qu'ils n'ont pas gagné droit. Et parfois, les policiers yo gagne des comportements envers détenus yo et détenus tout pour gagne des comportements envers policiers tout qui pas normal. Et c'est pour ça dans un projet ça non seulement nous faire formation pour policiers yo pour yo connaître droit détenus yo mais en l'autre bord tout nous faire sensibilisation pour côté détenus yo pour yo connaître droit yo à devoir yo. Donc c'est dans respect yon pour l'autre. Nous penser société est capable bien avancer. De l'autre côté, M. Oxius parlait sur nécessité pour renforcer la justice en façon pour qu'il y ait un changement tout bon vrai dans le pays. Avocat a profité de tout acte pour mettre tête ensemble pour résoudre la crise sociopolitique là qui la cause en pile citoyens obligés à le réfugier yo dans pays étranger. En côté, là toujours dans le micro Vladimir Prédville avec Jose Philippe François. Au CNH toujours, alors dans même cas de bataille, ça nous dit, la bataille contre la détention est illégale et arbitraire. Ça veut dire en aucun cas la justice n'a pas de camper. Et nous avons toujours demandé à l'autorité concernée pour être capable de joindre une solution
et dans la crise qui a passé là. Donc, c'est plusieurs fois. Chaque fois, greffier ont fait greffe pendant un mois, deux mois, et puis après ça, ils ont trouvé une solution. Et cette fois-ci, nous souhaitons une solution rejoindre. Ce n'est pas une solution à court terme, mais c'est une solution qui a une durabilité. Côté, après deux mois, nous ne pouvons pas nous greffier en greffe encore. Nous souhaitons gagner un site à parler qui fait une solution, c'est une solution durable. Et ça, à rentrer tout dans la bataille contre la détention illégale et arbitraire là, parce que si la police a arrêté tous les jours, et puis la justice dysfonctionnelle n'a pas compris bataille contre détention illégale et arbitraire là, il ne va jamais faire. Donc nous bien contents, il y a une solution qui joue, mais nous souhaitons c'est une solution durable, ce n'est pas une solution cosmétique. Activiste Ridley Darismond Damesous encourage les autorités à prendre disposition pour freiner les gaz qui arrivent souvent sous marché. Militant déclaré que c'est la majorité des citoyens qui toujours payent les conséquences de ces gaz-là, côté des gens qui profitent de stocker gaz-là pour vendre dans le galon. Ça représente un gros danger à cause de gens produits ça fragile. Ridley Darismond Damesous te parlé comme ça dans le micro Pierre Daniel Lamartinière avec Estravinsky Diramo. Nous tous songeons la semaine qui s'est passée. Gouvernement de facto qui est en tête du président PM Ariel Henry, paraît avec un paquet de corrompus contrebandiers qui trouvaient dans le secteur privé, qui toujours voulaient, c'est celui même qui pour gagner contrôle tout bagaille, te voulait inventer. Ou bien organiser une rareté de carburant, côté que nexa représente tête comme si c'est celle yo même qui c'est petite Dessaline. Yo même et sous point ça, nous pas rater, n'a soulevé incompétence ministre soi-disant ministre commerce là qui te mette un circulaire dehors qui te dit qui ça, il a empêché moun vendre gaz dans galon alors que gaz était toujours à vendre en bas pompe yo embager tout le monde et pas quelqu'un suite légale qui fait. Ensuite, soi-disant ministre commerce là encore, bon, l'État en fait, quand t'es lancé, t'es dit que pas de gagner l'argent pour acheter gaz, c'était appel d'offres qui t'es lancé, mais nous même dans PDI, nous besoin qu'on ait qui t'y famille, qui t'y ami, qui gagne appel d'offres là dans mail, les qui n'ont envie inventer rareté de carburant. Nous même pour nous connaître kay ki mafia pour nous aller parce que nèg sa yo pays a se yo kap dirije. En l'autre côté, Ridley Darismond Damesous déclaré autorité yo pa gen volonté pour combattre insécurité yon à cause particulièrement en pile nan yo gen compagnie sécurité. D'après activiste non, li pa possible pour bandi continuer à terroriser population comme ça. En côté, le toujours nan micro Pierre Daniel Lamartinière ak Stravinsky Lirambo. Sous question insécurité, d'après enquête que PDI mené, nous arrivons à comprendre que question insécurité, ce n'est pas un petit cause petit, je ne suis capable de croire là. Parce qu'il y a plus de 10 gros chabouak qui en dans l'institution qui est la police là, qui a fait business sécurité. Plus précisément, chef de la police là, Franz LB, qui a une compagnie sécurité, qui est sécurité plus. Donc, n'a posé tête nos questions. Si Franz LB, qui est chef de la police, gè compagnie sécurité pour la vente sécurité, donc nèg sa ou pa gen ken intérêt pour la population en sécurité. Nous comprenons nèg yo maré saucisse, nan pran contrat à grand nèg pour être capable vendre sécurité. Ça fait nous pas prendre au sérieux tentenag que nèg yo a fait dans la plaine du kil de sac pour dire que il a fait ti manèf pour baisser sécurité parce que faut mettre population en clair pour nous dire la plaine c'est route pour chef la police la passer c'est normal pour sous école mais son tétenade si c'est ton bagage sérieux eh bien ça t'a de fait pour toute zone yo dit qui zone rouge yo tant que Matisse qui pas fonctionner depuis près de 3 ans tant que cité soleil avec Bel Air donc faut nous mander toute organisation droit monde qui sérieux accès SPN non pour yon mener une enquête, pour yon chercher tout policier qui a fait business, trafic d'âme. Donc nous citons Franz LB, et si yon besoin de reste, yon vient dans le PDI, n'a pas reste information nécessaire.
Action nationale contre violation droit moun, c'est non yon nouveau organisation droit moun militant yo mette campé nan paysan. C'est 26 mai responsable yo lancé officiellement sectisa nan Port-au-Prince. Nan occasion an yon responsable organisation Daniel Simon salye travail défenseur droit moun déjà fait sous terrain, li parlé des programmes assistance légale qui facilite en pile citoyen joindre justice. An côté Daniel Simon, un micro Kedia Isaac ak Maud Lejean. Et maintenant, c'est une possibilité que nous voulons offrir avec la population haïtienne pour nous faire connaître qu'il y a un groupe de monde qui est capable de faire voir les gens qui n'ont pas de voix et arriver plus loin. La voix des sans voix pour nous faire voir et aller plus loin. Il y a un groupe de monde qui est disponible pour tendre, pour aider. Ça veut dire que et chaque jour, nous constatons que les droits de l'homme sont banalisés, sont violés, mais malheureusement, nous ne connaissons pas où commencer et à qui s'adresser. Et c'est dans le contexte ça, matin, nous venons faire grand public la connaître que l'ANCVDH est là, il existe pour aider à connaître les droits. Pour aider. Il y a un constat que nous faisons, certainement, et dès qu'on ne peut pas arriver à observer, n'était-ce pas organisation des droits humains, surtout ça qui gagne cellule d'avocat qui a défendu, eh bien, Dieu seul sait qui va les gens qui sont encore en détention préventive. Si pas de gagne et organisation des droits humains qui gagne des avocats qui sont disponibles pour assister, combien de gens qui sont sortis dans les tribunaux de paix, pour aller au parquet et qui sont tout voyant dans le pénitencier, c'est grâce avec organisation des droits humains qui toujours mettent et qui a des programmes d'assistance légale qui jouent à l'assister mon yo. En l'autre bord, Daniel Simon mandé pour autorité yo dans l'état prend bon jan mizi pour mettre sécurité dans paysan particulièrement dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. D'après lui, équipe qui sous pouvoir pas porter bon jan résultat dans problème toute qualité citoyen a fait face. Gen changement qui doit fait dans tête institution yo d'après militant droit moun lan qui mandé pour gouvernement soulager majorité citoyen yo qui a rencontré gros difficultés pour yo vivre. En côté Daniel Simon, toujours dans le micro Kedia Isaac ak Maud Lejean. Tellement nous-mêmes nous connaissons que l'État c'est lui-même qui gagne le monopole de la violence légitime. Il revient à l'État. Dans tous les pays du monde, c'est ainsi. Il revient à l'État pour lui bailler le peuple la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous exerçons des pressions sous l'État pour bailler la sécurité. Parce que souvent, nous avons une situation qui a passé martisant, une situation qui a passé dans la plaine dernièrement. Eh bien, nous adressons à l'État pour nous faire reconnaître que la situation est anormale et il faut qu'on agisse dans les plus brefs délais. Nouvel pays l'étranger, madame messieurs, plusieurs centaines de militants gauche radicale dans pays Afrique du Sud te prend la rue 25 mai dans capitale dans Pretoria pour exiger la France bay talon sur continent africain. La plupart manifestants yo te gen sou yo couleur parti qui gen en tête li Julius Malema, parti ça qui relé combattant pour liberté économique. Manifestants yo te gen maillot à casquette rouge et puis yo te gen en main yo pancarte côté moun te capable li la France d'ailleurs richesse la France sous dos africain yo et puis réparation pour crime colonio protestataire yo te débarqué bien bonnet dans matin dans yon série bis appartient te loué pour occasion et puis yo te rassemblé dans plusieurs rues côté local ambassade la France dans Trouville dans Pretoria d'après sa yon équipe agence France Presse AFP constaté. Journal non fini là pour aujourd'hui, madame Messi, c'était vraiment un plaisir pour nous informer sur télévision Pacifique. Continuez à suivre le programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.